Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la 13e ouverture du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 13 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Ici, le Covid s'est invité dans notre maison. Malheureusement, voilà, bah écoutez, c'est comme ça, hein, voilà. Donc, il a attaqué mon ami, et donc du coup, voilà, il n'est pas très en forme, hein. Mais bon, ça va, ça va. Moi, ça va pour le moment, j'ai pas de symptomatologie, pourvu que ça dure, donc j'espère que ça va aller, puisque je suis à son contact direct, donc on évite bien sûr certaines choses, et puis, ben voilà, on vit, hein, on continue de vivre malgré tout. Voilà, voilà, pour le bulletin météorologique du jour, temps pourri, 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 pourri. Demain, apparemment, il devrait faire meilleur, on verra, je vous dirai tout ça. Et ben demain, en plus, c'est le 14, c'est le jour de ma fête. Et donc, le 14 décembre, et ben le 14 décembre, il va faire beau parce que Odile, elle a dit qu'il allait faire beau. Voilà, donc. Allez, cette fois, on va commencer à ouvrir les petits cadeaux. Oh, 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 le bateau. J'ai découvert le tiroir numéro 13 qui me dit d'aller voir à l'avant du bateau. Oh, oh, oh. Alors, nous allons voir ça à l'avant du bateau. Donc, l'avant est là. Merci beaucoup, déjà. Alors, oh, 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 j'ai trouvé le numéro 13. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un peu mou. En forme de petit bonbon. Ah, un autre cadeau à l'intérieur. C'est un peu mou, je vois rien du tout. Vous voyez ce que c'est, vous? Non, vous ne voyez pas. Alors, très joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est de la dentelle. Elle est magnifique. Oh, elle est belle. Oh, j'adore. Oh, ouais. Merci infiniment. Très, très jolie. Oh, j'adore. Regardez. J'adore cette dentelle. Elle est très, très belle. Oh, merci infiniment. En plus, il y en a un bon petit paquet. Hein. Oh là là, merci beaucoup. Elle est trop, trop belle. Vraiment, j'adore. Oh, elle est superbe. Elle est superbe. Regardez-moi cette jolie dentelle. Merci, Sandra. Merci beaucoup. Oh, oh, oh. Bonne journée. Ah, je vais m'éclater avec cette dentelle-là. Elle est sublime. Allez, on découvre la petite boîte du jour numéro 13. Voilà. Donc, toujours de belles petites boîtes. Toutes mignonnettes. Alors, il y a quand même quelque chose à l'intérieur. Alors, on va ouvrir ça. Susu est de bonne humeur. Susu, il nous fait sa chanson de la cigogne. C'est ça, Susu? Tu fais la chanson de la cigogne? Hein? J'espère que tout va bien pour vous. Je sais qu'il y en a qui ont déjà eu le Covid, qui ont été bien, bien malades d'ailleurs. Hein, mais apparemment, ça fatigue énormément. C'est essentiellement ce symptôme. Bon, le rhume, hein, bien sûr. Mais voilà, du coup, ça fait ça. Il faut aller découvrir le cadeau numéro 13. Voici la petite pastille que j'ai trouvée à l'intérieur. Merci beaucoup, Thiem. Oh, tu m'as remis des mi-chocos. Et puis, un autre bonbon. Voilà, aujourd'hui, il y a un bonbon noir et un bonbon plus... Voilà, comme ceci. Donc, c'est des bonbons, je pense, à sucer. Voilà, donc... ça, c'est bon. Hier, j'ai mangé les deux. Hein. Avec mon café, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai mangé les deux. Eh ben, tant pis, hein, c'est fait pour ça, de toute façon c'est fait pour être mangé. Voilà. Donc on va aller découvrir tout de suite le paquet numéro 13. Et voilà le paquet numéro 13. Un grand paquet étoilé avec un très joli petit chiffre 13. Voilà, et derrière des petites gommettes de Love You. Love You aussi.
Merci infiniment. Donc là, je vais décoller ça doucement parce que vous savez que j'aime bien récupérer les petits stickers. Pas forcément les réutiliser pour une autre créa, mais parce qu'ils restent quand même abîmés quand on les enlève. Et du coup, voilà, du coup, c'est pour agrémenter mes pages de dessin bar daily ou du petit carnet. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie pochette bien ancrée? Oh! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, James? Oh là là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà ce que je découvre, fait à la main. Oh, regardez. Tout mignon, tout mignon. Ah, Susu, il est content, hein? Susu, il est content pour moi. Donc ça, c'est une pochette qui porte quelque chose. Oh, c'est sympa, c'est beau, elle est très jolie ta pochette. Ah, je vois que tu as fait un peu le même principe en récup. Ah, j'adore, hein, c'est trop mignon, c'est sympa. Super, super. Vous mettez ça sur une porte, impeccable, impeccable. Tu vois, on pourrait presque la mettre à la porte de la salle à manger pour faire la petite déco. Je vais peut-être faire ça. Ça peut être vachement sympa. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont des quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'arrive pas à voir par transparence. Donc là, il y a un petit truc. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est la gommette. Je vais la mettre là pour le moment. La gommette de fermeture. Alors, dessous, c'est marqué handmade. Donc, fait à la main. Comme ceci. Voilà. Vous voyez déjà ce qu'il y a dedans? C'est un très joli papier en petit pois. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est des chamallows. Ah, c'est des petits chamallows. Oh, c'est rigolo. Oh, et puis c'est tout sent bon. Plein de petits chamallows. J'en connais un qui va être content. J'en connais un qui va être content. Merci, ma Jem. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce cadeau du jour. Très gourmand. Alors, je vais bien le fermer parce que j'ai pas envie que ça se barre. Voilà. Merci beaucoup pour ce gentil cadeau. Voilà, très jolie pochette. Je vous la remontre. Elle est trop sympa. J'adore. Merci, Jem. Bonne journée. Bon courage à toi. Je sais que c'est une grosse journée aujourd'hui. C'est mercredi, c'est le jour des enfants. Vive les enfants, en plus c'est Noël. Ils sont tout excités, ils doivent être. Allez, à tout de suite. Découvrons à présent le scrap Didi numéro 13. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Yes. Forcément, je les vois avant vous, hein, forcément. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Scrap Didi numéro 13, nous avons donc un lot d'étiquettes. Un lot d'étiquettes, 26 étiquettes. Alors. Donc, on a un lot de 26 étiquettes assorties à la collection Le chemin des créations. Étiquettes imprimées sur papier recyclé 210 grammes. Beau papier. Superbe. Ça, c'est super bien. Les étiquettes, on en a toujours besoin. Voilà. Le chemin des créations, trop top. J'aime beaucoup ces étiquettes. Excusez-moi, j'étais perturbée parce qu'il y a mon chien qui tourne. Je ne sais pas trop. Alors, ça, c'est une matrice de découpe de tickets. Ah, oh, j'adore. Ah, oh, génial. Alors, voilà les matrices de coupe.
Donc les dies du jour, très très jolies, et ça nous donne ceci en découpe. Donc bien sûr, je viendrai faire quelques découpes, hein, comme je fais tout le temps, voilà, pour vous montrer sur ma petite création du jour sur le December Daily. Trop top. Trop top top. Yes. Très joli ticket. Merci. Allez, on découvre l'enveloppe de chez Stuff & Scrap. Alors, je garde toujours la surprise avec vous. Ta ta ta. Des nouveaux die-cuts. Des die-cuts pour continuer le projet. Donc, c'est World of Christmas. C'est une très jolie couronne ici, là. Très, très, très jolie. Hier, j'en ai fait pas mal. Des découpes, des petits die-cuts comme ça. Je vous montrerai les photos. Voilà. Dans les projets futurs. Voilà. C'est super. Il y a le parapluie, la petite canne à sucre là. C'est trop beau. J'adore ces die-cuts. Merci beaucoup, Stuff & Scrap. Voilà. Donc, pour ce choix de cette collection. Donc, de chez Yvonne Création, toujours. Hein. Et voilà. Donc, c'est la marque Findit. Yvonne Création. C'est la créatrice qui fait donc toutes ces jolies choses. Et donc, moi, je trouve que les dessins sont très jolis. Tout est très beau. Les designs et tout, c'est très, très bien fait. Et j'aime bien cette façon de faire push out sheet. Donc, faire en 3D. Et en plus, c'est pré-découpé. Et ça, j'adore. Voilà. Et bien, voilà. Découvrons à présent la case numéro 13 de chez Custo Déco. Alors, case numéro 13, il m'a dit c'était deuxième en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette case? Yes, un nouveau seau! Oh, vraiment, je m'en lasse pas. Oh, c'est trop, trop beau. Regardez-moi ça. C'est la tasse. Oh, j'adore. C'est trop beau. Oh, ouais. C'est trop, trop beau. Regardez-moi la tasse de Noël. Voilà, la tasse de chocolat chaud. J'adore, trop trop beau. Super sympa. Merci beaucoup Custo Déco pour ces très jolis seaux. Ils sont magnifiques. Voilà. Donc ça, c'était la case numéro 13 de chez Custo Déco. Superbe. Et je vous montre mon December Daily. Alors, le December Daily donc du jour numéro 12. Comme tous les jours, je dis qu'il y a toujours un jour de décalage. Donc, on continue. Ah, je ne vais pas fermer comme il faut, c'est pas très grave. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore fait le bijou d'album. Hein, et ça ne saurait tarder. Donc, 9, 10, 11. Donc, page numéro 12. Voici ce que j'ai fait sur la page numéro 12. Donc, pour l'instant, toujours pas de photo. Hein, comme je dis, ça ne saurait tarder. Mais voilà, un jour à la fois. Et puis ici, donc j'ai fait un rappel de la chaussette ici que j'avais déjà pré-collée. Voilà, déjà prédéfinie. Ici, je suis venue rajouter une petite, un petit die-cut donc de la collection de Christmas, Forest of Christmas, voilà, donc de chez Action. Ici, un petit verre pour rappeler à la vôtre, à votre santé. J'ai repris le numéro 12 que j'avais trouvé sur le cadeau de Jem. Donc, je me suis dit, tiens, je vais le mettre dans mon petit livre. Et là, donc, mes cadeaux du 12 avec mon joli tamponnage de chat. Je suis venue mettre quelques petites fleurs, voilà, pour un petit peu agrémenter. Voilà, très sympa. Moi, j'aime bien. Donc, j'ai répertorié mes petits cadeaux du jour et ma phrase du moment. Voilà, donc chacun met ce qu'il veut, hein, bien sûr, c'est un dessin modèle individuel. Alors, juste, je vais attraper ma loupe qui était là, que je cherche tout le temps. Donc, j'ai mis sous l'averse, je prends mon temps, je suis à l'abri, je déballe mes cadeaux. Merci. Voilà. Pas toujours facile de trouver des petites phrases, mais voilà, c'est un petit peu ma phrase du jour. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je suis venue arrondir les angles, hein, comme vous voyez. Donc voilà, pour cette page, ici, j'ai mis un petit cœur. Là, vous savez, j'avais eu un dice cœur de Jem. Donc voilà, j'ai mis dans un papier qu'on avait récemment trouvé dans des petits paper pads en 15-15 de chez Action. Ensuite, vous savez, dans ma petite boîte, pour l'instant, je mets
mes petites intercalaires que j'ai enlevées du dessin bordelli pour le mettre à part. Et donc, on va découvrir la page numéro 12. Alors, la page numéro 12, elle est ici. Non, ça c'est la 10, 11 et la page numéro 12. Il me semblait bien que c'était pas ça. Voilà, voilà la petite intercalaire. Donc, voilà ma petite page. Voilà, donc numéro 12, je suis venue remettre toujours l'étiquette. Je suis venue, j'ai pris un papier de soie, vous savez, qui me sert, qui était dans les emballages des petits cadeaux que les copinettes m'offrent. Et du coup, je suis venue l'ancrer avec quatre sortes d'encre, rouge, vert, gris et doré. Voilà, donc du coup, j'espère que ça se voit bien, mais il me semble que oui. Je suis venue mettre une main ici, je ne sais pas si on voit la main verte, voilà. Même si j'ai pas toujours la main verte, mais donc on voit la petite main ici, voilà, sur les petits doigts, voilà. Donc là, je suis venue. Donc ensuite, je suis venue placer quelques petits tamponnages, donc qu'on a eu de chez Scrap Didi, voilà. Ici, j'ai mis un tamponnage, vous savez que j'avais eu à qu'on avait trouvé sur Noz, voilà, avec un petit pingouin qui est en haut de sa petite montagne gelée. Voilà, donc du coup, c'est pas mal. J'ai mis comme une petite montagne. Voilà, qui brille de mille feux. Et ici, je suis venue mettre une petite étoile, un flocon de neige, pardon. Je crois que je dis les étoiles. Hein. Ici, je suis venue mettre le mot. Il fait une très grosse, encore très grosse, plus très grosse, très grosse averse. Et puis ici, donc, je suis venue mettre un cachet de cire déjà tout près d'un renne ou d'un faon. Voilà. Plutôt d'un faon, je pense. Voilà ma petite page du jour. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, je la trouve sympa. Voilà. Donc, aujourd'hui, on viendra faire la page numéro 13. Et voilà pour les petites choses du jour. Alors, je vais vous le remontrer comme ça. Ça sera bon pour la photo. Voilà. Voilà les pages du jour. Sympa, non? Voilà. Alors, je ne sais pas si on les voit bien, mais voilà. Voilà, voilà. Eh bien, ce jour 13 prend fin et terminé. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention pour la régularité de vos commentaires et de votre fidélité. Vraiment, merci beaucoup. Il y a vraiment de très fidèles personnes. Et je suis consciente aussi que tout le monde ne peut pas regarder en temps et en heure les vidéos parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a l'activité quotidienne, voilà, avec tout ce que ça peut engendrer. Et donc, merci en tout cas de passer sur ma chaîne, de vous abonner si le cœur vous en dit, et surtout commenter et liker, et toujours bien sûr dans la bienveillance, c'est super sympa. Et puis, en même temps, voilà, après vous avez le droit de discuter avec moi, c'est pas interdit, bien au contraire. Et je vous fais plein de zoubis. Je vous souhaite une belle journée malgré la pluie pourrie ici. Bon, il faut de l'eau, mais il y en a beaucoup trop d'un coup. C'est toujours comme ça. C'est jamais équilibré, hein. C'est dommage. Mais voilà, c'est ainsi. On ne refera pas la nature. Après, c'est sûr qu'il y a aussi les catastrophes humaines qui font de la nature des choses pas sympas. Voilà, nous sommes dans le dérèglement climatique en l'an 2023. Vous l'aurez compris. Et donc, ceux qui regardent les vidéos bien plus tard comprendront donc ce que je veux dire. Voilà, et bah écoutez, on ne sait pas combien de temps ça reste les vidéos, hein, mais bref, on avance et puis on verra demain. Voilà, allez, bonne journée et restez dans la joie. Essayez de trouver quelque chose dans votre vie qui vous fasse du bien, qui vous fasse plaisir. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche. Zoubi Scrap, bonne journée, à bientôt.